barrez-vous là. Comme beaucoup, moi je suis tombé dans le monde du vote à l'âge de 18 ans. Alors la première fois que je suis rentré dans l'isoloir, ça a été un choc, hein, clairement. Je me revois, innocent, prendre mon petit bout de papier, le plier en 6, et puis après. Bon, après je pouvais plus m'arrêter. Hein. On parle souvent de la première pénétration sexuelle, mais sûrement pas assez de la première fois qu'on pénètre une urne. Oh, c'est mieux que tout, hein. Mieux que le sexe. Même si là encore, on n'est pas toujours consentant. Tiens, qu'on s'entende. Bref, après l'isoloir, tu te sens respecté des plus jeunes, écouté des plus vieux. C'était marrant, mais ça a vite dégénéré. Je suis devenu inarrêtable. Je me suis mis à participer à toutes les élections possibles. Je donnais mon avis même quand j'en avais pas. J'en parlais à tout le monde, tout le temps. Je créais des débats pour avoir raison. J'étais le genre de type à chialer pour des municipales. Je pensais pas, mais c'est une putain de drogue. Oh, j'ai perdu un paquet d'argent avec ces conneries. À la fin, je votais pour tout et n'importe quoi. Je votais pour qui, moi? The Voice? La Nouvelle Star? Top Chef? Secret Story? Et même les Miss France. Et pour comprendre un peu cette obsession, je me suis mis à voir tous les psys du Maine-et-Loire. Et tout ce que j'en ai fait, c'est une élection du meilleur psy du Maine-et-Loire. Et après toutes ces années de vote acharné, de comprendre que mon vote ne changerait jamais rien, j'ai fait ce que les médecins appellent une décompensation. Je me suis mis à vomir des bulletins tous les matins avec marqué dessus « Ferme ta gueule !» Rien de fou, hein. C'est du somnambulisme. Vous savez, je crois que j'ai eu assez de mauvaises idées dans ma vie pour savoir que l'idée de me taire serait toujours la meilleure. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Ouais, je me prends plus la tête. Avant de voter pour quelqu'un, je pense d'abord à voter pour moi. Alors, je vote peut-être pour un con, mais au moins, je suis le seul à voter pour lui. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Vote quoi? Vote quoi? Je t'ai dit, je vote plus! Je te dis, moi, je veux plus voter! C'est non, c'est non! Je ne vote plus. Je te dis, je ne veux plus voter! Mais tu vas me laisser, oui! Je déteste les poules! Arrête de me picorer! Arrête de me picorer! Je te dis, mais petit. Tu ne. Il a ramené tout le poulailler en plus, mais tu. Mais tu me lâches! Mais tu vas me lâcher! Tu vas me lâcher! Ça veut dire que tu m'emmerdes! Fais tes années, tu m'emmerdes avec ton vote! Tu m'emmerdes! Tu comprends ça, tu m'emmerdes!